4. Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, nous nous sommes baladés un peu plus loin que d'habitude grâce au pouvoir de notre cher ami Ekal qui a enfin appris la téléportation. Mais ça va me faciliter énormément la tâche. Nous sommes arrivés dans une petite, un petit village, un petit endroit où a priori il y avait le commerce de cake à la baleine. Pourquoi pas. Et lors d'une visite dans une baleine, nous avons détruit le mal qui rongeait Pépère, la baleine, parce que la baleine s'appelle vraiment Pépère, qui était une poupée mystique, étrange, qui la faisait s'endormir. Nous avons donc débloqué le voyage à dos de baleine, donc le voyage maritime qui est très utile parce que, eh ben, pas énormément de rencontres. Et je suis atterri sur le mont Maori. J'ai fait un test. C'est une zone optionnelle, je pense, qui est beaucoup trop forte pour moi pour le moment, surtout parce que j'ai mis zéro amélioration sur tous les personnages. Du coup, à part la zone actuelle de la map où je peux encore m'entraîner un peu, la zone du mont Maori est beaucoup trop haut level. Donc, je vais me balader encore parce que nous devons retrouver le village d'origine, me semble-t-il. Alors, j'ai découvert aussi la tour des rêves, je crois, juste entre deux points de terre, le petit point rouge qui clignote. On se balade, puis j'aime beaucoup cette musique, et on doit trouver... Ah bah c'est là, c'est juste là où je dois aller. Ouais, j'ai trouvé là où il y a eu le feu. Donc c'est ça, c'est cet endroit-là. Juste que je trouve où me poser. Mais j'ai vérifié, je ne peux pas me poser pour le moment. Donc du coup, je me balade, hein. Voilà, j'étais ici, c'était cette zone-là. La baleine était par ici. Je me balade, hein. Je profite. Voilà, toute une forêt que je ne peux pas traverser. Zéro rencontre. Hop, un petit coup ici. Je regarderai la map aussi de temps en temps pour voir un peu où j'en suis. Donc déjà, il y a trois villes que j'ai ratées. Il y a un panneau et une autre ville tout en bas. Hop, une autre ville, une petite maison là. Je découvre toute la carte. Là. Terminé, il n'y a plus aucun secret pour moi. Ah, là, il y a une petite maison. Je pense que cette zone là doit être beaucoup trop haut level pour moi. Quelques petites îles, quelques petits trucs, quelques machins. Et là, je remonte au niveau d'une chaîne de montagne. Ouais. Oui, donc là, j'ai fait tout le tour du côté ouest, qui est assez grand. Remarquons-le. Ah, petite plage. Petite plage ici. Je vais explorer un petit peu la zone. J'en profite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des cocasques. Donc, c'est une zone que je connais déjà. Ou qui est à mon niveau. Alors, on notera toujours que Bo et Ekal sont des abrutis parce qu'ils n'ont pas, ils ne mettent pas assez de dégâts. Ah bah froid 2. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Allez, au revoir Ekal. Voilà, parfait. Salut. Salut mon copain, merci d'être venu.
Ah bah je suis niveau 15. C'est marrant ça. On leur met quand même des points de vie, on ressuscite, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, une très grande étendue, juste ici, du coup. Et non, pas de la bonne touche. Regarde, vas-y. Ah non, c'est la mer, d'accord. C'est la mer. Je suis donc sur ce petit îlot, juste à côté. Ok. Ah, tiens. Petite maison. Toujours ça de prix. Alors, où suis-je? Dans une hutte. D'accord. Petite hutte, toute simple. Un petit chat. Qui ne fait pas miaou. Alors, on a un arc, une hache, un poêle, deux lits. Ah, deux lits. Et une commode, juste là. D'accord, il y a des gens qui vivent ici, je suppose. Un poêle, de l'eau. Et c'est tout. Rien de ouf. J'explore, hein, j'en profite. Est-ce que je peux passer derrière? Non, je ne peux pas passer derrière. Bon, bah, une petite hutte. Tout ce qu'il y a de plus simple. Rien de bien incroyable. Ah, des combats. Alors ça par contre, ça rapporte énormément d'XP. Très très bon moyen d'XP ça. Ouais, bon, je suis bloqué par la forêt. Ok. Attaque surprise et ben fuite. Les cocasques, c'est sympathique, mais soit ça se défend, soit ça attaque et c'est pas ouf. Bon, et ben on va faire tout le. Attends, quoi que. Il y a une. Il y a pas un vieux qui m'avait dit qu'il y avait une île à l'ouest. Je vais tenter un truc. C'est de voir si je peux faire le tour. Si même dans le jeu vidéo la terre est plate. Ah, la terre n'est pas plate. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très bien. Il y a une grande zone juste à l'ouest par contre. J'aimerais savoir si c'est vraiment une énorme zone de rien. Voilà, cette zone-ci. Est-ce que vraiment il y a rien? Ou une petite île, un petit îlot quelque part? Ah, et quoi ici? Ça c'était. Oui, ça c'était pour aller voir la ville des Jean-Michel Crapaud. Il faudrait que j'y retourne aussi pour prendre énormément de soins. Je m'amuse. Là c'est la tour de la sorcière, donc ouais, je fais tout le tour par le côté nord. Ça, je connais. Est-ce que je peux passer? Oh, je peux passer, trop bien, trop trop bien. Donc ça, c'est le toit, c'est la tour des rêves, qui est sans doute un endroit beaucoup trop fort pour moi. Bon, on va essayer quand même d'avancer aussi. Ça fait presque 10 minutes que je tourne en rond. Voyons. J'essaie aussi d'éviter de me perdre. Parce que je suis quand même assez fort sur ce niveau-là. Ah, là il y a quelque chose. Ah, là je suis où, par contre. Je suis sur un petit bout d'île qui peut peut-être être très haut level. Mais je vois une ville. Donc j'y vais. Je suis à Gantz. Oh, et il y a une. Ouf, alors ça, petit magasin. Bienvenue à la mairie. Oh!
Une épée bronze. Je suis équipé avec quoi? Je suis équipé avec une lame pure, il me semble. Moi, je suis équipé avec une lame pure. Ouah, gros équipement! 12 000 balles. Bon. C'est pas là que je suis censé aller pour le moment. Mais j'ai la ville dans mon répertoire de magie, ce qui est pas mal. Où je vais aller? On va descendre un petit peu, explorer. Ah, allez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose ici. Moi j'aime bien ça. Ah, alors il y a quelque chose, mais ça pas l'air atteignable par la mer. Non. Donc, il y aura peut-être un moyen de locomotion aérien. Et ça, c'est cool. Peut-être que je vais me transformer en dragon et puis je vais voler. Là, je suis où? J'essaie d'éviter de me perdre. C'est pas là que je dois aller. Ah, plein de petites îles. Plein d'archipels. Ah, il y a un truc là. On va aller ici. Et je me fais attaquer par des nouveaux ennemis. Ah non, du pollen. Du pollen. Bien, bien étrange tout ça. Bien, bien, bien étrange, oui. Je suis circonspect. C'est des petits ennemis, ça, quand même. XP quand même pour 3 pollens, c'est un assez bon ratio. Ici, nous sommes dans une deuxième hutte, plein de huttes en ce moment, plein de cabanes qui se construisent. Ah, là, il y a quelqu'un. Oh, je n'ai rien à voir avec cela. Alors, allez-y sans moi. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles, Michel? Ah, ça, c'est un copier-coller. Ça, c'est un copier-coller de l'autre hutte. Les développeurs, je vous vois, développeurs. Bon, il y a plein de huttes. Je sais pas où je vais. Je commence à être perdu. Je sais pas vous. Je me dis que j'ai raté un truc aussi. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Salut, salut toi. Est-ce que tu vas me casser mes dents? Alors très beau golem hein. Ah ouais mais en fait à part mon épée, le reste rien du tout. Petit 40? Ouais petit 40. Ok, je lui ai rien enlevé. J'essaie de voir à quel point je peux être résistant face à ce genre de choses. Défense. Il attaque pas. Tiens, c'est étrange. Je pense que là aussi, ça doit être une zone trop haut niveau pour moi. Waouh, quelques critiques à 1. Bon, on va essayer autrement. Bon, évidemment, toi, t'as pas de sort. Toi, t'as des sorts. Genre, froid. C'est bien froid. Bon, 27, c'est plus que ce que tu peux mettre en temps normal déjà. Vas-y, mets ton critique à 1. Oh, à 3! Ouais! Incroyable. Il fait que de se soigner. Bon, et calme, on va tester silence. On dirait presque un combat de boss. Sauf que c'est juste moi qui suis pas fort. Le vent sur le caillou, ça doit quand même faire plus de dégâts. Ça fait plus de dégâts, quand même. Échec. Yeah! Oh, ce point! Oh, ce point, je l'ai vu très très fort.
Ok, c'est peut-être pas un truc pour moi, ça, finalement. Je pense pas. J'en suis même sûr. Hein. 2000 d'XP! Eh, ça valait le coup. Ça valait franchement le coup. Je vais quand même me soigner. Putain, ouais, faut vraiment que je reprenne des soins bleus. Moi, j'appelle ça des soins bleus. C'est la traduction française. Bon, on va essayer de trouver où je dois aller quand même. On m'a dit aller à Origine, mais trouver avant Jean-Michel du Chapiteau, Jean-Michel le... Ah, Jean-Michel, comment il s'appelait? Jean-Michel l'herbe vivante. Ça se trouve, je l'ai raté, Jean-Michel l'herbe vivante. Et par là, peut-être. Ou alors. Ah oui, d'accord. Donc sur cet îlot. D'accord. Pourquoi pas. Bon, en vrai, je me suis aidé de la soluce parce que sinon je trouverais jamais. Alors. La nuit, il dort. Et bah la nuit, il va aller se faire foutre. Vous pouvez lui dire ça de ma part. Heureusement que Ryu a fait jour-nuit. Voilà, il fait jour, allez. Ta sauce. Alors, j'ai en plus, j'y suis déjà bien. La mer n'est plus populaire. Il va être mangé par un démon. Hein. Ne voulez-vous pas voir la mer se faire manger par un démon? Hein. Le prix n'est que de 100 balles! 100 balles! Putain. Où allons-nous ensuite? Continuons vers l'est, à Hautfort? Où allons-nous dans la ville près d'origine? Là, je ne sais pas. Viens, veuillez passer. Nique-toi. Nique-toi bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais me remettre avec mon Ryu. Je sais qu'il y a des démons comme ça dans cette région, mais c'est la première fois que j'en vois un. Oh là là! C'est une boule de pique, connasse. C'est effrayant d'imaginer se faire manger par un animal. Comme ça. C'est un truc inoffensif. Arrêtez. Ne nourrissez pas le démon, ils veulent le rendre vraiment affamé, puis le nourrir avec la merde. Nafufufu. C'est vraiment insolite pour un carnaval de venir dans cette région. Au fait, parlez-vous notre langue? Je ne comprends pas ce que vous dites. Mais ferme ta gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Oula. Alors ça, c'est une migale. Je sais qu'il y a des démons comme ça dans cette région, mais c'est la première fois que oui. Ça, c'est une... Une grosse merde. Notre reine devrait installer le spectacle ici. Elle est si grosse, c'est dur de croire qu'elle soit humaine. Ah, c'est dégueulasse. Faudrait plus tard, Oupa-Loupa, que ce spectacle cruel. Oupa-Rupa est un animal adorable qui vit dans les cavernes de l'océan. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Oh là, y a un vieux. Oh là, y a un vieux. Récemment, cet endroit est devenu effrayant. Mon divertissement ne semble pas marcher, alors je pense partir. Y a-t-il une chambre de libre n'importe où? Oui. Qu'avez-vous dit? Vous avez une chambre de libre dans votre ville? Ah, c'est super! Pourquoi ne commencerais-je pas un dojo d'énigmes là-bas? Oh non! Oh non! Non! C'est vraiment solide pour un carnaval. Oui. Ce qui est solide, c'est ma main dans ta gueule. Hein. Il y a beaucoup trop de choses qui vont arriver dans la ville. Hein. Ça me fait froid dans le dos d'imaginer un humain se faire manger par un. Eh bah, casse-toi. Non, mais casse-toi en fait. Encore? Merci. Mon copain! Nous ne pouvons plus attirer de clients en montrant juste la merde. Ah, ça serait différent s'il allait se faire dévorer. Hé, hey, herbe! Hey, tout le monde attend que tu te fasses dévorer. Et la tête la première. Ah. Voilà, et que tu t'amuses bien? Ah, toi, tu sais parler. Ah, crie bien et hurle pour les gens. Que pensez-vous de ça, n'est-ce pas hilarant? Un spectacle de monstres végétariens. Le sang que tu répondras sera de la sauce salade. Ah, je suis pressé de voir ça. Pas vous? Non. De quoi voulez-vous me parler? Je vous écouterai si vous me dites comment se faire de l'argent. Quoi, vous voulez arrêter le spectacle? Oui. Imbécile, pourquoi devrais-je arrêter? Ah, si vous pouvez m'apporter un autre animal pour prendre la place de la merde,
Je pourrais y réfléchir. Par exemple, Oupa Loupa. Ou alors, vous pouvez me payer 900 000 balles. Si vous ne voulez pas que je le tue, apportez-moi 900 000 balles. Ou Oupa Loupa. Si vous ne vous dépêchez pas, je vais commencer le spectacle du lancer de salade. Ah mon dieu, il va tuer Oupa Loupa. Jean-Michel L'Herbe. Alors oui, moi je veux bien, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller à la ville. Cassez-vous. Cassez-vous. Moi je veux aller dans la ville déjà. C'est quoi ici? Musica. J'ai peur de ce que je vais apprendre. Avez-vous dit quelque chose? Ça me rappelle un truc, Musica, mais je sais pas quoi. Peut-être une ville de merde. Dans le premier jeu. Et je crois vraiment que c'est une ville de merde. Bienvenue à l'hôtel, le prix est de 50 balles par nuit, ce qui est... Ce qui est une somme assez incroyable. Alors, je vais acheter des objets. Et ensuite de l'équipement. Bienvenue au bazar. Oui, le bazar. Alors. Ah. Parfait. Hop, on en prend plein. Les noix, ça sert pas grand chose. La vue s'envole, la fumée. Je vais en prendre un dans le boot. Et des trucs de pêche. Bon, j'ai du soin. Ça, c'est une bonne chose de fait. Surtout que ça coûte pas grand chose. Ah, yes. Ça, par contre, ça va m'être utile à l'armurerie. Alors, qu'est-ce que tu as? Un pap, oui, donc ça c'est pour Sten. Un fouet pour Kat. Un arc pour Bolt, évidemment. Une rapière pour machin. Et des vêtements. Alors, on va prendre. Ouais, on va prendre déjà une meilleure arme pour Butch, dans un premier temps. T'as regardez-moi ça, 83 de dégâts. Oh, c'est beau. Je vais vendre de la merde. Par contre, je vais vendre énormément de merde. À moins que je peux faire du troc. Je vais essayer de faire un échange. Pour les stocks. Le sabre vaut 600. Ah, c'est vrai que t'as un sabre, toi. Non. Attends. Non, on va faire autrement. Vendre tout ce qui me sert à rien. Alors, j'ai une canne et j'ai un moulinet. Ah ouais, donc en fait, j'ai plein de trucs inutiles. Déjà, les bracelets. Sur l'arc court, sur la calotte de ses morts, sur le cuir aussi, le rangers, sur la bague, je vais la garder, la rapière courte, je la vends, là c'est le soin, et la baliste, évidemment, voilà, c'est pas ce que je voulais faire, déjà je vais mettre un peu de rangement, un peu d'ordre même, ah ben voilà, c'est déjà mieux, et... J'ai donc dit qu'il me fallait la grosse arme pour acheter les stocks. Voilà. Déjà avec ça, je pense qu'il devrait mettre un poil plus de dégâts. On est sur de bons dégâts. Donc déjà là, on est pas mal. On va quand même explorer un petit peu Musica, la ville où personne me comprend. Parce que tout le monde est un trou duc. Sans le ton, c'est maman ta gueule le ton. Bon, vous me comprenez pas. Allez vous faire foutre. Pchit. Allez, va-t'en. Merci. Oh, il y a plein de choses à voir ici. S'il y a plein de choses à voir, moi ça me va. Oh, il y a une porte, je peux aller à la porte. Eh. Eh, il y a un coffre derrière, je l'ai vu. Ouvre le coffre, ouvre la porte.
Si je te mets une mandale dans tes dents, est-ce que tu comprends ça? Ah, oh, y'a des Jean-Michel Crapaud. La nourriture est bonne et les femmes sont jolies. À vrai dire, c'est le paradis. Et toi, tu me dis la même chose. Hein. C'est un endroit superbe. Si nous pouvions communiquer avec tout le monde, ça serait mieux. Ah, la reine, c'est quelque chose. Hein. Quoi que je fasse, elle mange 10 portions. Facile. Eh bah, la reine... Non. Non, casse-toi. Non, casse-toi. Je suis bloqué. Voilà, fin du jeu. Je suis bloqué. Dommage, hein. C'est fou, c'est dommage, hein. Fin du jeu. Au revoir, merci, bonne journée. Alors, elle est où la reine? Je voudrais m'adresser à la reine, elle n'est pas là. Comment je m'adresse à quelqu'un qui ne peut pas me comprendre? Avec des tapes dans la gueule. Ça me paraît une très bonne idée, bonjour. Ma reine, vous êtes obèse, ça, si vous ne faites rien, le poids de votre corps va vous écraser et vous allez mourir. Ah, c'est mauvais, mauvais, c'est absurde de parler à des gens qui ne me comprennent pas. Mais si je te comprends, sac à merde. Mais si je vous comprends, ma reine, vous êtes obèse. Non, tu me l'as déjà dit, c'était pas ce que je voulais faire. Ah oui. Je suis faim, mon corps me semble si lourd. Ouais, non, je lui fais pas une voix incroyablement jolie, elle. Bon, bah, la reine est obèse. Parfait. Bon, maintenant, où que c'est que je dois aller? Parce qu'on me dit, oui, alors en fait, il faudrait que t'ailles dans les cavernes océaniques. Mais on te dit pas où c'est. Allez, démerde-toi. Merci, connard, je crois. Bon, je vole, hein, y'a rien. Moi, je vole, hein. Ah, y'a un truc. Yeah, j'ai obtenu une médaille. C'est-à-dire... La médaille du mystère. Quoi? Hein? J'ai une médaille, Oui, c'est que... D'accord, ok. Et Michel? Je suis en pleine crise. Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre, messieurs et dames, là. Attention! Arrêtez, vous allez devenir fou. Bon, alors, vous me parlez pas, c'est bon. Oh, des vitamines! Trop bien. Vitamine, ça booste un truc, il me semble. Ouais, vitamine, ça booste un truc, de manière permanente. Ah non, une malédiction. Je ne savais pas, écoutez. C'est une information. Bon, bah voilà. Allez, terminé. Personne ne comprend, à part les marchands. Et le prêtre. Bienvenue dans les sociétés vaines. Sauvegarde. Ah, je peux sauvegarder. Bon, c'était bien gentil. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis perdu? Encore? Bon, alors après avoir regardé la soluce, hein, ça allait très vite pour vous. Il semblerait-il que j'aurais déjà vu le nom de Oupa Oupa quelque part. Semble-t-il que oui. C'est pas certain, mais a priori je l'ai déjà vu. Ou lu quelque part. Je vais vérifier ça, vu que c'était pas ici en fait. Je regarde ma carte. Ma carte, s'il te plaît. Et oui, en fait, j'y suis passé devant, mais il y a là un long moment. Et alors, pour s'en souvenir, il fallait s'en souvenir. Peut-être que certains le savaient déjà, mais moi, je l'ai zappé. En fait, c'était une zone où il y avait juste un bouquin et une forêt derrière. Je suis pas allé plus loin que ça. Ce qui est bête,
ce qui est très très bête. Hein. Mais je... Non, j'ai pas fait le rapprochement. Le rapprochement zéro. Waouh, un petit 56 de dégâts, un peu nul. Est-ce que je prends le risque de chasser? Bonne question. Aurait-il fallu que je me soigne par contre? Je crois que oui. Voilà, c'était cette zone ici. Et je ne sais plus pourquoi, quand je suis arrivé là. Alors, je crois que j'y suis allé, mais j'avais rien trouvé. Cela ressemble au journal de quelqu'un. Ryo ouvre le journal. Cela ressemble au journal d'un chasseur de monstres. Le journal dit: aujourd'hui, le mystère est résolu. Une voix de femme est venue avec la senteur des fleurs Haru. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont attirés par cette voix? Toute chose est dressée par elle. Toi qui lis ce journal, ne va pas près de la forêt. Si tu entends la voix de la femme, mets tes mains sur tes oreilles et cours loin de cet endroit. Sinon, tu finiras comme nous. Le journal s'achève ici. Donc, c'est ça. Il n'y avait pas ce journal, déjà, premièrement. Je suis certain qu'il n'y avait pas ce journal. Objet, on va utiliser les soins bourrois pour la max de vie à tout le monde. Bon, la magie, on va oublier. Parce que je pars avec un certain désavantage. C'est ça, j'étais déjà allé et... Voilà, il n'y avait pas ça. Encore aujourd'hui. Un homme avec des yeux tristes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis déjà allé dans les profondeurs de la forêt. Et il n'y avait pas cette femme. Il y avait les fleurs, sûr. Oh, vous êtes venu m'écouter chanter. Ah, ça me rend si heureuse. D'accord. Et bonjour, non, peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est que cette énorme merde? Alors, le jeu vidéo m'a appris que la grosse tête de merde, enfin le gros monsieur, quand il y a des mecs à côté, c'est pas bon signe. Du coup, on va utiliser le sort de Dragon Ball F sur... Non. On va attaquer une sœur à la fois. Sceller le sort de elle. Si jamais elle a un sort, Nina va nous faire un petit... Allez, petite danse de la tournée. Et Botch... Et puis Botch, tu vas attaquer aussi. Ouais, le jeu m'a appris ça. C'est ça. Donc il y a un soin. Un qui attaque. Il y a un soin, un qui attaque. Ok. Est-ce que je vais crever? Aïe! Oula! Mais je l'ai battu juste comme ça! Mais c'est nul! Ah bah. Ok. Ok. J'ai compris. J'ai compris le pattern. C'est bon, je l'ai. Alors. Tac. Écale, tu vas attaquer elle. Nina, tu vas... j'ai pas du feu, flamme, tu vas attaquer elle. Et Botch, tu vas soigner très très vite. Lui. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai compris. Oh, la saleté. Ouais bah non, ça sert à rien ce son introduc. Idiot introduc. Écale. Sort. Vie. Éclair. Bon bah voilà, hein, c'est... Bah c'était un gros combat, écoutez, hein. Je pense que je vais aller reprendre. Mais c'est pas vrai ça.
Donc, sort, dragon de feu sur... Non. Ah non, tu vas te soigner aussi. Mais c'est incroyable ça! Je peux pas attaquer tranquille. Ah bah génial. Parfait. Bah nique toi boss. Nique toi bien. Ouais bah non bah c'est mort. C'est mort. Nique toi. Bon, je me suis un petit peu énervé. Du coup, je pense que une chose toute bête va se passer, parce qu'en plus j'ai plus que 1000, c'est qu'on va aller farmer, hein, un bon gros farm d'XP, hein, pour cette fin d'épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Après ce deuxième échec contre un boss. Voyons voir ce qu'il y a dans cette zone. S'il y a des combats, ce serait bien s'il y a des combats. Et ben voilà, parfait, mon ami le Golem Rock qui donne beaucoup d'XP. Et ben on va faire ça pendant quelques combats et puis moi je vous retrouve à la fin pour clôturer cet épisode. Allez, c'est y part. Bon, j'arrête. Bon, eh ben, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait à peine 10 minutes et j'ai failli perdre tous mes personnages sur un combat stupide. Bon, je vais continuer en off à XP. Déjà, j'ai pu avoir un mob à 6000 d'XP. Ce qui est très très cool, je savais même pas que c'était possible. Les chances de rencontre de ce truc. Bien, donc du coup cet épisode ne sera sûrement pas très très intéressant parce que je suis mort en plein combat, mais voilà, ça arrive, c'est la deuxième fois. On n'avance pas vite, mais là le but ça va être d'XP tout le monde au moins presque au niveau 20 et d'acheter un maximum de bon équipement pour tout le monde. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout en espérant que ça vous avait diverti. Si vous avez des techniques, je prends même des codes de triche pour avoir un peu plus de tuiles d'XP. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la commenter et vous abonner pour ne pas rater les autres contenus qui sortent. Je suis également sur Twitter et sur Instagram, vous pouvez le suivre et où je poste des nouvelles assez souvent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.